Bonjour et bienvenue à Igny, en Haute-Saône. Ici, nous allons rencontrer deux artisans qui se sont croisés, si on peut dire. La première vient tout juste de s'installer. Elle s'est lancée dans une activité assez tendance, vous verrez, ce sont des savons. Et puis le second, eh bien, lui, il est en train peu à peu de quitter son métier. C'est un maître chaisier. Bonjour. Bonjour. Bon, j'arrive voilà, un peu au milieu d'une fabrication. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc là, en fait, je vais commencer la fabrication d'un savon. Donc là, je mélange l'eau, la soude et les huiles végétales. Voilà. Il faut que ce soit bien à la même température. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc là, je vais commencer à mixer. Voilà. Jusqu'à obtenir une pâte à savon. Donc là, j'ajoute les huiles essentielles et les grains de lavande, parce qu'on va faire un savon ylang-ylang lavande. Donc là, il y aura à peu près 90 savons. Voilà, donc ça représente un petit peu plus de 10 kg de pâte. Comment vous avez appris à en faire des savons? Alors, je suis allée en formation dans le sud-ouest pour apprendre la fabrication et surtout la réglementation autour des cosmétiques. Ah oui, c'est ça qui est le plus... C'est ça qui est le plus compliqué. On verse tout? Ouais, c'est ça. Alors... Hop. Et donc voilà, donc là, on va pouvoir ajouter... Les petites lavandes. Les grains de lavande. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi. En fait, je les dispose au milieu, tout simplement. Et les huiles, elles viennent de Haute-Saône, mais elles viennent pas de n'importe où, en plus, non. En général. Alors, voilà. Donc, les huiles végétales de colza, de tournesol, de chanvre et de caméline. Donc, elles viennent de la ferme biologique de mon papa. Donc, en fait, il est agriculteur bio et il transforme ses graines en huile. Donc, en fait, c'est une première pression à froid. Ça doit être super quand même de pouvoir travailler de valoriser, c'est ça, de valoriser de la graine jusqu'au produit fini. Donc là, je vais les disposer derrière pour les laisser sécher jusqu'à demain. Voilà, et demain après, je pourrai les couper. Ça met 24 heures en fait. Hein. Minimum 24 heures, voilà. Et cela, vous avez fait hier alors? Voilà, donc c'est ça. Donc là, on va passer à la découpe de cela. Les savons, il faut qu'ils fassent minimum 110-115 grammes au moment de la découpe, parce qu'après, ils vont sécher minimum un mois. Donc, en fait, ils vont perdre de l'eau. Allez-y. Bon, faut être bricoleur pour faire un truc comme ça, quand même. Oui, c'est sûr. C'est des cordes de guitare avec des tendeurs de guitare. Chacun son... Oui, 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 on me l'a fait. Alors. Vous êtes en train de vous travailler encore? Ah, je fais le travail, oui, ça m'arrive de temps en temps. Bon, la première étape, quand je fais une série de chaises, je commence toujours par faire les dossiers. Donc j'ai mes gabarits. Une fois qu'ils sont tracés là, maintenant il n'y a plus qu'à leur donner la forme à la scie à ruban. Ça, c'est le paillage seigle doré, donc les cordons de lait sont enrobés d'une paille de seigle. Vous avez déjà passé combien d'heures dessus? Oui, il y a déjà 4 heures. Là. Ah ouais. Oui, il faut 5 heures à peu près hein, pour tout faire. C'est le même brin du début à la fin, sans nœud, et du même, pratiquement du même diamètre. À l'œil, on n'y voit pas grand-chose. Pour apprendre à faire un paillage vraiment du début à la fin, il faut en faire et en défaire hein, pour qu'il soit vraiment bien... Moi, je sais que c'est un métier qui me plaît, mais après, mon fils qui a baigné là-dedans ne voulait pas reprendre ma suite parce que bon, ça ne lui disait pas. Mais c'est un métier qui meurt. Voilà, ça n'était pas la première fois, mais c'est probablement la dernière que nous étions ici, chez Monsieur Jean-Marie Pongan, le dernier chaisier de Franche-Comté. Nous étions en tout cas à Igny, et puis on se retrouve une prochaine fois ailleurs dans la région.